Et puis dernier message qui est pour vous, Tariq Ramadan. Ramadan est un télévangéliste islamique des temps modernes avec une devise, islamiser la modernité et non pas moderniser l'islam. C'est une assez jolie formule, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? C'est une très très ancienne formule d'un livre, il aurait fallu juste mettre des guillemets, c'est connu et c'est du réchauffé encore. J'ai pas le temps de répondre à ça et ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est que... Non, écoutez, moi je parle ici comme un citoyen suisse de confession musulmane qui vient d'Égypte et qui a envie de dire à ses concitoyens, écoutez, de deux choses l'une. Soit vous êtes honnête avec vos principes, et qui sont des principes de démocratie, et vous soutenez les peuples quand ils se soulèvent, et vous respectez leurs choix, même si leurs choix vont aller un peu contre vos intérêts, parce qu'ils vont peut-être moins vous donner de pétrole, plus exiger qu'on donne de la nourriture à leur peuple, et que quand on vient me parler à moi de la question de la charia des femmes, et qu'on se tait systématiquement quand il s'agit des pétromonarchies parce que ça nous arrange, j'essaye simplement d'avoir un discours qui soit clair et honnête, et il y en a certains qui ont des silences qui ne sont pas très honnêtes, parce que c'est facile de venir dire aujourd'hui devant ces processus démocratiques, oh attention, les Arabes, est-ce que l'islam peut être compatible avec la démocratie? Pour n'importe quelle personne qui étudie ce qui se passe aujourd'hui dans les sociétés arabes et dans les sociétés majoritairement musulmanes, de l'Indonésie à la Turquie, au Sénégal, pas simplement les sociétés arabes. Il reste moins de 10 minutes au débat. J'aimerais bien poser... qu'on reconnaisse quand même qu'il y a des sociétés qui ont envie d'être pour le pluralisme.